Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer vos caméras Cetronics pour réceptionner les alertes, les notifications par email. Donc, vous allez sur votre application Cetronics Pro. Voilà, vous cliquez sur la roue édentée. Vous allez dans Liaison d'alarme. Vous allez retrouver ici Configurer l'email. Vous cliquez sur Configurer l'email et là, vous voyez, il y a toutes les informations. Mais avant d'aller dans cette étape-là, on va faire une chose qui est quand même importante, c'est le mot de passe de l'email. Parce que si vous mettez le mot de passe classique, hein, votre mot de passe à vous de votre adresse email, vous n'allez jamais réceptionner les notifications. Donc là, on va aller dans Gmail. Vous prenez votre compte Gmail. Bien sûr, ici, je vous parle pour Gmail. Donc, vous allez dans Gmail, vous cliquez sur votre logo là en haut à droite, vous allez dans Gérer votre compte Google. Une fois que vous êtes dans Gérer votre compte Google, vous cliquez sur la petite loupe de recherche. Donc, vous mettez mot de passe, voilà, et là vous allez trouver mot de passe des applications. Vous pouvez l'écrire tout complet, mot de passe des applications si vous voulez, mais juste moi j'écris mot et je trouve mot de passe des applications, vous cliquez dessus. Vous indiquez bien sûr votre mot de passe, parce que Google demande que vous vous connectez à votre compte. Donc il faut connaître votre mot de passe, bien sûr, de votre adresse mail. Vous faites suivant. Là, on est connecté. Vous voyez, j'ai ici vos mots de passe d'application, donc Cetronics. Donc pour créer ça, vous allez dans Sélectionner une application. Vous sélectionnez une application, là, vous pouvez mettre autre. Voilà. Et là, vous mettez le nom. Ça, c'est important ici parce que le nom là doit correspondre dans les paramètres dans l'application Cetronics. Donc moi, je vais mettre par exemple Cetronics 2. Voilà. Je fais générer. Voilà. Vous avez votre mot de passe qui était généré. Vous restez appuyé dessus. Vous le copiez hein, si vous êtes sur téléphone. Voilà. Vous copiez votre mot de passe. C'est important, vous faites une capture d'écran, mais après vous effacez ou vous le notez sur un bout de papier, ça c'est à vous de voir. Mais faites copier. Ensuite, on va retourner sur l'application Cetronics Pro, donc au niveau des paramètres d'email. Vous avez serveur SMTP. Donc faites attention parce qu'il y en a qui confondent le P et le T. Donc c'est smtp.gmail.com. Vous indiquez exactement ça. Dans le port, vous ajoutez exactement 465. Et la connexion serveur, vous mettez donc en TLS. Donc connexion serveur en TLS. Donc connexion S ici, il n'y a pas tout. Vérification. Donc vous laissez cocher. Nom d'utilisateur plutôt. Vous mettez votre adresse email et le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on vient de créer. Donc vous mettez le mot de passe qu'on vient de créer. Donc vous copiez-collez. L'adresse de réception. Donc l'adresse de réception des emails, vous mettez l'adresse que vous voulez. Vous pouvez mettre une autre adresse que la vôtre si vous voulez. Et l'adresse d'expéditeur, c'est votre adresse email. Vous pouvez mettre votre adresse email partout, hein, c'est la même chose. Et le thème, là, vous mettez Cetronics. Donc vous mettez le nom que vous avez indiqué exactement pour la création du mot de passe dans le compte Google. Donc moi, j'ai mis Cetronics 2, donc je peux mettre Cetronics. Mais je laisse Cetronics parce que j'ai déjà configuré et vous pouvez faire le test. Donc vous faites le test. Donc on attend un petit peu. Voilà, il met test réussi. Donc j'ai reçu un email comme quoi, ben, le test est réussi, donc la connexion s'est bien passée. Donc, surtout, maintenant, vous faites appliquer, vous sauvegardez, parce que si vous sortez sans sauvegarder, ben, vous allez perdre toutes les données que vous avez indiquées ici. Donc, surtout, faites appliquer, et voilà, les paramètres du mail, voilà, ont été sauvegardés. Ben, maintenant, voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant, vous pouvez réceptionner les alertes par email. Donc, maintenant, je vais aller sur mon email. Et on regarde 14h39 ici, réception d'email. J'ai la photo. Voilà, la photo de la caméra.
Donc c'est une photo test, hein. S'il n'y a pas d'individu, c'est normal. Mais dès qu'il y aura un individu qui va passer, une notification, vous allez recevoir une photo par email. Si vous avez encore des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la description, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, merci aux nouveaux pour vous être abonnés. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dingo Dorwan. Been a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.